Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Donc nous allons réaliser, donc on continue dans la série des crochets tunisiens. Donc voilà le motif, vous l'avez en face de vous. Donc ça fait une veste vraiment sympa, regardez, donc vous avez vu la photo. Donc très simple hein, à réaliser, vous allez voir. Et je vais vous montrer comment ça a été travaillé. Donc, je pense que ça peut intéresser. Donc, je vous montre. Pour réaliser ça, on a été donc Holy Hugs Bendy. Donc c'est 100% de coton. Hein. C'est 2 cm, 100 grammes à peu près. Pour la veste, on a besoin de 500 grammes. Donc 5 pelotes. Donc on fait une voile. Donc et voilà, il faut travailler ce motif de manière qu'il soit bien aéré, pas trop serré. Voilà, pour vraiment faire quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on voit comme ça après un motif bien régulier et puis c'est très agréable à toucher et puis à regarder. Donc voilà ce que ça donne et je vais vous montrer donc un petit exemple. Et voilà, donc après, tout a été finalisé vers le haut. Hein, vous avez vu, les bordures sont fermées et finalisées. Voilà, donc là, c'est les coins en plus. Hein, donc voilà, tout a été fait pour qu'il tombe comme ceci. Voilà, donc après il y a la fermeture au niveau des épaules. Donc là on a 24 cm. Et après on a encore 40 cm vers le bas. Et voilà, donc après, donc on a différentes étapes, comme vous avez vu, et puis après, donc c'est la fin. Donc c'est vraiment une idée pour utiliser le crochet tunisien. Voilà, sur... Donc je vais vous montrer ce motif en crochet tunisien. Ok, donc on commence avec un nœud magique et ensuite je fais 11 mailles, la maille en chaîne, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc cette première maille, ouais, j'ai... donc celle-ci est prête. Donc ça va être ma première maille. Et je vais piquer dans la première, la deuxième, la troisième. Voilà, par là. Et je fais comme ça, en piquant et en attrapant le fil et en le faisant passer dans la maille. Je vais chercher le fil et je le fais passer dans la maille et je fais ça jusqu'au bout de ma ligne. Donc en fait, ce que l'on va faire comme ça, c'est que l'on va fixer du coup les mailles sur notre crochet. Ok, donc quand j'avais enfin les 11 mailles sur mon crochet, donc je vais pouvoir commencer le motif. Donc, je commence à tricoter comme ceci, j'attrape mon fil, la première, j'en fais qu'un, je ne fais passer qu'à travers une maille et ensuite à travers deux mailles. Toujours les mêmes gestes. Donc pour ceux qui ont déjà une expérience avec le crochet tunisien, voilà, ça c'est les bases hein, du crochet tunisien. Voilà, et maintenant, je fais un jeté. Et je vais piquer dans la prochaine maille. Et je fais un jeté. Et je vais piquer, je saute une maille. Et je vais piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté, je pique dans la maille après avoir sauté une autre. Donc je fais un jeté, je saute une maille et je pique dans celle d'après. Et dans la dernière, je pique dans les deux et voilà. Et donc, bien sûr, on repasse ensuite en arrière. Première, on traverse à travers qu'une maille et ensuite après deux mailles, en allant chercher bien sûr toujours le fil en arrière et on avance en le faisant passer dans deux mailles jusqu'au bout. Ensuite on va travailler la suite exactement de la même manière. Donc je pique ici dans la première maille, j'attrape mon fil et je le fais passer dessous, je fais un jeté, je saute cette maille. Mais je vais piquer dans la suivante et je vais aller chercher mon fil et je le fais passer dessous. Je le fais passer dans la maille. Voilà, et ainsi de suite. Mon jeté et je pique dans la maille. Je fais mon jeté. Et ainsi de suite. Et dans la dernière, je pique dans les deux, je vais chercher mon fil et je le fais passer dans la maille. Et après, c'est parti donc. En retour, en arrière, on fait exactement les mêmes gestes que tout à l'heure. Pas de surprise pour cette partie-là. Ce sont vraiment les mêmes gestes. Après, je remonte lentement. Ici, donc je pique comme ceci. Je vais chercher mon fil et je vais passer dans la maille dans laquelle je viens de piquer. Je fais un jeté. Je saute la maille et je vais piquer dans celle d'après. Je vais chercher mon fil, je le fais passer dans la maille à nouveau. Je fais un jeté à nouveau. Je saute une maille et je vais piquer dans la suivante, chercher le fil, le faire passer dans la même maille. Je fais un jeté. Je pique dans la maille en ayant sauté une maille. Mon jeté. Je saute une maille et je pique dans la suivante. Et je vais chercher le fil et je vais passer dans la maille. Et ainsi de suite. Et puis je commence avec une première maille et puis après je fais passer mon fil que je vais chercher derrière dans deux mailles à chaque fois. Sauf pour la première, hein, comme je vous l'ai dit. Et
c'est comme ça qu'on va réaliser le motif. Vous voyez déjà, il se forme, vous voyez dans les premières lignes. Donc vraiment très agréable, très léger. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite. Salut !